Quand j'ai accepté de tester la caméra et le caisson d'aujourd'hui, eh bien je m'attendais à tout sauf à ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée comme vous le savez, et aujourd'hui, caméra et caisson sous-marin. En commençant cette vidéo, j'avais un biais, car j'ai toujours vu ces petites caméras à 360 degrés comme des gadgets ayant pour seul intérêt de faire un effet mini-planète, généralement mal exploité. Donc, lorsqu'Insta360 m'a contacté pour tester leur nouveau caisson sous-marin, j'étais content, premièrement. Puis après, j'ai eu un peu peur, et ensuite je me suis dit que j'allais pouvoir amener la X3 là où les autres youtubeurs ne peuvent justement pas aller, afin de vous montrer ce que cette technologie et cette petite caméra peut vraiment faire dans un cadre de plongée. Ce test sera divisé en 5 parties. Premièrement, avec des images en mer rouge dans une eau claire afin de tester la dynamique de couleur. Ensuite, nous irons en Bretagne dans des conditions bien plus difficiles. Puis en troisième, nous partirons dans des épaves, car c'est un contexte très riche que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un espace très dangereux et défavorable pour notre petite caméra. Et pour moi aussi, car en voulant trouver les limites de la X3, j'ai failli frôler les miennes. Mais on y reviendra. Ensuite, nous verrons son cadre d'utilisation, et pour finir, je vous dirai ce que moi, j'en ai pensé, et je vous donnerai plus d'informations sur l'offre promotionnelle que vous propose Insta360. Et je dois vous prévenir. Pour les images qui vont suivre, j'ai pris le parti de me focaliser sur l'aspect créatif et de ne pas trop rentrer dans les détails des codecs ou les modes ou les fréquences d'image. Déjà parce que je pense que d'autres le font bien mieux que moi, et aussi parce que j'espère que vous n'êtes pas là pour m'écouter lire une fiche technique. Car moi, quand on me dit « Tiens, voilà une caméra qui filme à 360 degrés sous l'eau », ce ne sont pas les FPS qui m'intéressent, non. Simplement parce que j'ai commencé cette chaîne avec une caméra à 300€ et qui malgré tout m'a permis de vous raconter des histoires. Et c'est ce que nous allons tâcher de voir dans ce test. Qu'est-ce que vous pourrez faire et quel type d'image sous-marine la X3 est capable de nous sortir. Mais avant de vous montrer les poissons, déballons notre caméra et parlons-en. Donc cette petite caméra est capable de filmer à 360 degrés. Et surtout, comme on va le voir, elle est aussi capable de faire disparaître la perche à selfie pour donner l'impression d'avoir une caméra flottante qui nous suit. Mes premières impressions avec cette caméra sont bonnes. Elle est lourde et de belle facture. Cette qualité de fabrication se retrouve aussi dans les accessoires, avec l'utilisation régulière de carbone. La batterie, quant à elle, est grosse, ce qui laisse présager une bonne autonomie. Lors de mes plongées, j'ai utilisé des cartes SD de 128Go de la marque Insta360 pour filmer en 5,7K. Vous trouverez ici une connexion USB très pratique pour recharger ou connecter votre Insta, et vous avez en bas de la caméra un pas de vis pour la fixer aux différents accessoires. Dans la boîte, elle est aussi livrée avec une petite housse en néoprène, mais moi je préfère la protection en caoutchouc dur qui est un accessoire à acheter en plus pour couvrir la lentille. Pour finir, elle a un écran tactile assez grand et très réactif, et surtout, elle a 4 boutons. Cette navigation mécanique est très importante pour moi car en mer, avec l'eau, les écrans tactiles posent souvent des problèmes. Et moi, je suis souvent mouillé. It was at this moment that he knew. He fucked up. Quant au caisson, on est sur un objet assez volumineux, mais lui aussi très bien fini. Malheureusement, je n'ai pas pu vous faire de belles images d'unboxing depuis mon bureau, car j'ai tout déballé en urgence sur le bateau, à cause d'une mécompréhension de ma part sur l'utilisation de ce caisson. Je vais tout vous expliquer dans quelques minutes, mais faut pas faire n'importe quoi avec. Alors, le caisson est fourni avec plusieurs accessoires, notamment une housse de protection et des petits patchs anti-bleu à placer sur les côtés du caisson. Ils sont très importants, car la chaleur générée par la caméra cause de la condensation, et donc de la buée dans le dôme. Mais deux patchs m'auront été suffisants pour 2 semaines de plongée intensive. Autre point notable, hop, l'angle de la caméra est très important. Si vous voulez faire disparaître la perche, il faut vraiment être
sur la même droite. Et c'est pour ça qu'elle va être livrée avec ces sortes de petites clés de serrage hein, et des petites rondelles servant à bien verrouiller le caisson pour ne pas que ça bouge sous l'eau. En fait, si ça bouge, si ça prend de l'angle, la perche va être visible. Pour finir, ce caisson a deux boutons, juste ici. Alors évidemment, nous aurions préféré avoir 4 boutons, mais c'est sans doute pour augmenter la solidité de l'ensemble. Car mine de rien, ce petit caisson est capable d'aller à 50 mètres, ce qui est largement suffisant pour la majorité des plongeurs. Et rassurez-vous, même s'il n'y a que deux boutons, il existe un mode de prise de vue destiné aux caissons sous-marins, qui permet justement de contrôler la caméra juste avec ça. Donc, pas d'inquiétude. Pour finir la présentation, il y a aussi tout l'aspect logiciel à prendre en compte. Alors, je vous ferai une vidéo dédiée le mois prochain, mais vous devez comprendre qu'il y a différentes façons d'utiliser la caméra. Moi, je l'ai utilisé comme une caméra à 360 degrés en lui demandant de filmer dans toutes les directions pour ensuite choisir mon cadre sur l'ordinateur ou sur mon téléphone une fois au sec. Cette interface, cette application est très intuitive et il ne nous faudra que quelques minutes pour comprendre la logique du logiciel. Maintenant, tâchons de voir ce que cette petite caméra vaut sous l'eau. Pour tester la X3, je l'ai amenée en Égypte, en mer Rouge, et les images que vous voyez sont celles de mes premières plongées. À ce moment-là, je n'ai aucune expérience avec la caméra et j'essaye différentes alternatives. Le but pour moi est d'avoir plusieurs caméras, une première sur mon caisson principal et une seconde placée à l'épaule grâce à une fixation spéciale que l'on verra dans une prochaine vidéo et qui m'offre plus de recul. La mer Rouge, c'est vraiment le contexte parfait pour cette caméra. Elle est optimisée pour ce type d'environnement. Là, on a une eau claire avec une belle lumière incidente, des petits poissons et on a même des éléments topographiques comme des patates à corail qui vont venir ajouter du volume et de l'ombre à l'image. Donc, si vous cherchez la plage d'utilisation, ça va être ce type de topographie. J'ai utilisé différents modes comme le log, mais le meilleur c'est le mode HDR pour avoir plus de dynamisme au niveau de vos couleurs. C'est ce que j'ai préféré. Attention cependant, avec ce mode là, au bout de 45 minutes, la caméra va surchauffer. L'un des points qui m'a bluffé avec cette caméra, c'est sa capacité à trouver l'horizon. Même quand le caméraman bouge, l'image reste assez linéaire, ce qui va me permettre en post-production d'ajouter les mouvements. Tous ces mouvements-là, que vous voyez à la caméra, ils ont été rajoutés en post-production. De plus, à de nombreuses reprises, j'ai pu prêter ma caméra à mes binômes ou à mes guides, et ils ont réussi à me faire des plans tout à fait exploitables. Ce qui, pour la chaîne, est assez rare, c'est peut-être même une première. Et c'est tout l'intérêt de filmer à 360 degrés. Je vais faire mon cadrage, ensuite en post-production. J'ai juste besoin d'avoir une image stable à la base. Le second point qui m'a impressionné, c'est tout simplement la disparition de la perche à selfie. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un mini drone sous-marin qui me suit durant mes plongées. Et en fonction de l'endroit où vous placez votre caméra, vous avez vraiment des effets assez impressionnants. Mais on y reviendra. Pour ce qui est de la qualité d'image pure, la caméra va souffrir de sa construction à 360 degrés. Si la définition est de 5,7K, c'est sur toute l'image. Mais moi, en post-prod, si je crop, je vais perdre en qualité. Et si vous cherchez à filmer quelque chose d'éloigné, le rendu ne sera pas optimal. Par contre, elle supporte très bien d'être très très proche des sujets, comme ici à Safaga avec les poissons clowns. Mais pour en revenir à la qualité d'image globale, en grand angle, ce pourquoi elle est optimisée, c'est tout à fait exploitable, même à distance. Si je prends par exemple cette séquence du Janis Day, oui, le piqué n'est pas parfait. Mais ce qui compte pour moi, c'est l'ambiance. Et à ce moment-là, je retrouve cette ambiance dans les images. Oui, je suis pas forcément un grand fan de la guerre des pixels ou du piqué. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir produire des images et de les produire facilement. Et c'est ce qui m'amène au troisième point positif. Mieux vaut avoir une image filmée que pas d'image du tout. Et c'est ce qui s'est passé au cours de cette plongée. Juste après avoir vu le Janis Day, on a eu des dauphins. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que je suis complètement en panique sur ma caméra. J'ai tout simplement pas le temps de régler le GH5 et de filmer cette rencontre. C'est pas possible, j'ai pas le temps d'allumer l'autre, bref, je la rate. Et pourtant, la X3 qui était restée allumée, elle a pu capter cette petite séquence. Alors oui, c'est pas parfait, mais au moins, je peux raconter une histoire. Je peux faire une story, je peux parler de cette anecdote et je peux l'illustrer. Bref, selon le constructeur, le meilleur moment pour filmer, c'est en milieu de journée avec le maximum de lumière.
et je ne suis pas vraiment d'accord avec eux. Pour voir tester différents moments, je préfère la fin d'après-midi. Regardez, au lieu d'avoir un grand soleil blanc en contre-jour qui crame tout, eh ben vous pourrez avoir une ambiance bien plus douce avec des petits reflets jaunes. Et encore une fois, pour moi, c'est l'ambiance qui prime et je la trouve bien plus douce. De plus, à cette heure-là, on va limiter un petit peu les parasites du soleil dans le dôme si on fait des contre-jours, car à cause de sa construction à 360 degrés, et ben cette caméra et ce dôme est assez sensible au lens flare. Et pour finir sur le contexte favorable, et ben je pense que le plus intéressant, c'est d'aller filmer dans une eau peu profonde, avec des sujets en 3 dimensions. Car s'il y a des grosses structures de corail, ou mieux, des éléments, des points d'intérêt, vous aurez plus facilement un effet waouh parce que vous pourrez vous rapprocher et passer dans des canyons. Le Graal, eh bien, c'est de trouver une épave dans la zone des 10 mètres et de varier les plans et les perspectives. Et c'est justement ce qu'on a fait. Maintenant qu'on a vu ce que cette caméra peut faire dans un contexte favorable, hein, car là, on était bien, mettons-la dans la pire des situations. Filmé en Bretagne. Pour la seconde partie de ce test, eh ben, je suis parti au Glénan, dans une eau un peu plus froide, avec moins de 5 mètres de visibilité un jour de houle. Comme ça, vous pourrez vraiment voir ce que ça donne aussi ailleurs qu'en mer Rouge. Et si vous me voyez bouger là sur les images, eh bien, c'est tout simplement parce que la houle me balade de plusieurs mètres. Donc on n'est clairement pas dans un contexte favorable, et je suis à peu près sûr que dans le contrat que j'ai signé avec Insta360, il est stipulé que je devais pas l'emmener là-dedans. Désolé. Mais ça valait le coup. Mon objectif dans ce contexte un peu compliqué, eh bien, c'est de pouvoir voir si la X3 m'apporte des solutions lorsqu'il s'agit de repérer et filmer des animaux qui m'auraient échappé. Comme par exemple, un gros phoque de 200 kg qui mordit mes palmes. Ces petits détails qui peuvent nous échapper parfois. Pour le filmer, j'ai installé une première caméra sur une perche à selfie trépied que j'avais lestée, et j'ai pris une seconde caméra au niveau de mon caisson principal. Je pense que ce système sera vraiment utile à des scientifiques pour compter le passage d'individus dans une zone. De plus, son autonomie lui permet de filmer en 5,7K pendant plus d'une heure dans une eau à 17 degrés, et le tout à 360 degrés. La deuxième caméra est quant à elle fixée avec mes lampes sur mon caisson principal. Le but de cette disposition est de pouvoir, au montage, repérer les phoques qui pouvaient éventuellement me suivre. Et ça me permet de me mettre en scène lorsque je fais mes prises de vue, pour raconter justement la petite histoire de ma petite rencontre avec un petit phoque. Et ben là, je peux montrer le champ et le contre-champ. Autrement, ça aurait juste été des jolies images, mais j'aurais pas pu me mettre en scène. Et pour parler de la plage d'utilisation, là, on est clairement dans les mauvaises conditions. Il y a une mauvaise visibilité,
Très peu de soleil, beaucoup de houle et plein de parasites comme les laminaires qui viennent toucher le caisson et causer des aberrations. Et même le GH5 était vraiment à la traîne. Hein. Lui me permettait juste à la rigueur de filmer des particules avec plus de résolution. Pour finir, ce problème de particules, eh ben, ça reste secondaire. Car ici encore, la caméra elle a rempli son rôle. Et en alternant avec les différentes caméras et les différents angles, eh ben, j'ai pu monter cette petite séquence qui retranscrit assez bien, je trouve, l'ambiance. Maintenant, on va aller dans un autre environnement. Le plus important, peut-être même celui que vous attendez le plus, et aussi le plus dangereux pour la caméra et aussi pour moi. Les épaves font partie de mes sujets préférés en plongée. Mais à ce jour, je n'avais jamais réussi à retranscrire cet aspect labyrinthique et cette sensation oppressante qui s'y dégage. Et l'intérêt d'une caméra déportée, eh bien, c'est de pouvoir varier les plans pour vous donner l'impression d'être avec moi. Et sur ce point, on peut dire que j'ai été comblé. Quand j'ai accepté de tester la caméra et le caisson d'aujourd'hui, eh bien je m'attendais à tout sauf à ça. Mais c'est aussi dans ce contexte très difficile que j'ai pu découvrir le défaut principal de ce caisson, et les parasites dus à la lumière directe. Heureusement, ce problème n'est pas systématique, car après plusieurs essais et grâce à un accessoire pour moto, eh ben, j'ai trouvé la bonne position pour la caméra. Et on est passé de ça, où c'était à peine exploitable, à ça. Et promis, je vous montrerai tout mon setup vidéo plongé en détail dans une prochaine vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer des épaves autrement et de vous montrer des plongées autrement. Avec une caméra traditionnelle, je n'aurais pas pu faire ce genre de plan. Et si j'avais voulu me mettre en scène lors de mon exploration de l'épave, eh bien j'aurais dû avoir plusieurs cadreurs. La X3, elle, m'offre des options créatives énormes, et notamment le fait de pouvoir me mettre en scène. J'ai testé le caisson dans des endroits très exigus, avec très peu d'espace, et que j'ai pu enfin retranscrire cette oppression d'une pénétration profonde. J'ai aussi exploré une autre épave dont je garde le nom secret pour l'instant, avec de très grands espaces qui me permettent d'exploiter le grand angle et de donner cette impression de gigantisme. Et vous l'avez compris, j'ai beaucoup d'images, et j'aime cette caméra car elle me sert un petit peu de couteau suisse. Mais attention, elle n'est pas exempte de défauts. Et même si je suis très positif avec elle, pour savoir si elle vous conviendra, eh ben vous devez les connaître. Mais avant ça, j'ai un petit rappel à vous faire. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'essaie de vous produire le meilleur contenu possible. Et vous pouvez m'aider à continuer. Soit en rejoignant notre communauté de plongeurs sur Discord, où vous aurez accès à des lives hebdomadaires, beaucoup de discussions et des replays. Soit, si vous êtes intéressé par la caméra, vous trouverez en description de la vidéo un lien d'affiliation. Et une semaine après la publication de cette vidéo, vous allez bénéficier d'offres exclusives sur le pack Insta360
plongée. Vous pourrez économiser jusqu'à 92€ et vous aurez une batterie supplémentaire gratuite. Et des batteries, on n'en a jamais assez. De plus, en utilisant mon lien d'affiliation, eh bien, vous permettez aussi indirectement à cette chaîne de vivre. Car si des marques comme Insta360 se rendent compte que notre communauté de plongeurs est intéressée par du matériel sous-marin, alors ils m'aideront sûrement à produire d'autres vidéos plus ambitieuse pour la chaîne YouTube. C'est grâce à vous que l'aventure Argonaut Plongée continue, alors je compte sur vous pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et merci aux contributeurs qui soutiennent déjà la chaîne, et pour les autres, à bientôt. Parlons maintenant des inconvénients. C'est la première fois pour moi que j'utilise une caméra à 360, et je pense que mes difficultés ne sont pas dues à la caméra en elle-même, mais plus à la prise de vue en général avec une caméra à 360 degrés. Et il faut bien comprendre que c'est une autre façon de filmer. L'inconvénient numéro 1, c'est la gestion des angles de lumière. On a très rapidement du flare, des lens flares, que ce soit avec la lumière naturelle, comme ici, ou bien avec les phares, et le système de vision à 360 degrés et l'ajout d'un dôme aussi gros, ça va augmenter cet effet de lens flare. Il faut donc éviter les sources de lumière directes, comme j'ai pu le faire dans cette épave. Et si vous faites des prises de vue en contre-jour, comme là, je vous conseille de faire plusieurs prises pour augmenter vos chances d'avoir la séquence parfaite. L'inconvénient numéro 2, ça va être le temps de production. Comme on l'a vu, vous aurez souvent des parasites lumineux. Ça veut dire que vous allez devoir filmer plus, et donc automatiquement augmenter votre temps de post-production et de dérochage, car vous aurez des fichiers plus longs. De plus, l'aspect 360 degrés, c'est génial, car vous pouvez filmer dans toutes les directions et faire votre cadrage après, et c'est ce que j'ai fait durant toutes mes plongées, mais après, c'est la post-production. L'inconvénient numéro 3, ça va être la résistance du caisson. Alors, c'est le plus gros inconvénient pour moi, mais finalement, c'en est pas un, car au début, j'ai pas très bien compris ce qu'était ce produit. Et vous devez être prudent lors de son usage, car en cas de choc, vous allez le marquer. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé durant certaines plongées un peu trop compliquées. Donc voyez plutôt cet accessoire comme un outil servant à faire des images à 360 degrés sous l'eau, et ça tombe bien, c'est pour ça qu'il est vendu, mais pas comme une protection tout terrain indestructible, car sinon vous allez être déçu. Après, je trouve que c'est pas très honnête de faire cette critique-là de ma part, car s'accrocher des perches à selfie dans le dos pour rentrer dans des espaces confinés avec des morceaux de métal rouillés, c'est pas une très bonne idée. Et oui, vous risquez de rayer votre matériel. D'ailleurs, petite anecdote, heureusement que j'avais durant mes plongées des guides qui veillaient sur moi, comme avec FL Team et Agnieszka, car là encore, la caméra a pu filmer quelque chose que moi j'ai pas vu, et Agnieszka a sauvé ma troisième caméra. Par contre, dans un usage normal, ne vous inquiétez pas, le caisson ne va pas se rayer tout seul. Je vous conseille cependant d'être très prudent avec le sable et de toujours le mettre dans sa petite housse. Avant de craquer sur ce petit jouet, vous devez comprendre que cette caméra, elle a besoin de beaucoup de lumière. Donc, il est recommandé de l'utiliser dans une eau claire, comme on l'a vu en mer Rouge, en milieu de journée et si possible dans des profondeurs modérées. Franchement, en dessous de 15 mètres, je vous conseille d'investir sur de la lumière pour redonner un peu de dynamisme. Par contre, sur du 5 mètres, là, c'est vraiment cool. On a vraiment une belle ambiance, on peut avoir des lumières chatoyantes. Pour obtenir les images waouh, le mieux, c'est d'avoir de multiples sujets proches afin de jouer avec les perspectives et les tailles. De plus, vous devrez aussi vous entraîner à être bien stable au niveau de la main qui tient la perche à selfie. Car en post-prod, je me suis rendu compte que durant ma pénétration du Tisselgorm, inconsciemment, j'avais un tic avec la main droite où je passais mon temps à la faire tourner. Et malheureusement, à l'image, ça crée forcément des parasites. Bon, pour conclure, j'en pense quoi de cette caméra? Vous l'avez compris dans ce test, pour ma part, je suis très enthousiaste vis-à-vis de cette petite caméra et de toute cette nouvelle technologie. Et je suis même, de façon un peu plus large, impressionné par tous les outils à notre disposition en 2023 pour produire du contenu vidéo. Et je peux vous l'annoncer, cette X3 avec son nouveau caisson, il va m'accompagner dans toutes mes futures productions. Mais avant d'acheter cette caméra, je dois insister sur un point si elle vous intéresse. Avec le matériel vidéo, on ne peut pas être bon partout. Et lorsqu'une machine optimise un certain type d'image, ce sera souvent au détriment d'autres aspects. Surtout sur des budgets limités, car là on est sur une caméra caisson compris dans les 700€. Et ça me rappelle un peu les débuts de ma chaîne, en 2019, lorsque j'utilisais une petite caméra optimisée pour la macro. Elle faisait que ça. Malheureusement, la taille du capteur et la technologie optique qui étaient utilisées, ça rendait les grands angles de cette caméra vraiment nuls. Du coup, j'en faisais pas.
Et malgré ça, j'étais très satisfait de cette caméra, car je l'ai exploitée dans le cadre où elle était bonne. Et bien l'X3, c'est la même logique. Cette caméra est optimisée pour vous faire une vision ultra large, voire même à 360 degrés, tout en étant capable de rendre la perche à selfie invisible. Et si vous l'exploitez pour ce qu'elle est, alors vous allez en tirer des images incroyables. Personnellement, je suis satisfait de ces images. Même celles avec les phoques ou celles dans les cales de ces épaves. Certes, la résolution ou la gestion du bruit ne sont pas optimales. Mais ce qui compte pour moi, ce sont les histoires que je vais pouvoir vous raconter. Et c'est là-dessus où je voudrais conclure la vidéo. Ne tombez pas dans le piège de la technique, à savoir plus de résolution, plus de piqué, plus de framerate. C'est pas l'intérêt et vous allez passer à côté du point le plus important de cette caméra. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui compte, c'est le storytelling. Et pour faire un bon storytelling, il vous faut des images. Petit exemple, là je filme avec un setup à 6 000 €. Mais vous ne voyez pas à quel point je suis serré, à quel point cette situation est oppressante voire dangereuse. Vous vous dites juste, ouais c'est serré. Par contre, si dans mon montage j'ajoute cette séquence, tournée avec la X3, au même instant, alors là tout de suite, vous comprenez ma situation. Et vous allez même avoir de l'empathie pour moi. Et c'est en ça, où cette caméra est une petite révolution dans mon approche de la vidéo. Elle s'inscrit parfaitement dans mon écosystème de plusieurs caméras pour la production vidéo et elle me permet de produire facilement et rapidement du contenu instagrammable. Et même d'un point de vue pédagogique, c'est un outil très très pertinent. Pour la première fois, vous pourrez observer mes cas concrets rencontrés sur le terrain, comme par exemple un largage de parachute ou de la communication entre plongeurs. Ou encore cette séquence d'un début de panne d'air que l'on va analyser prochainement sur la chaîne. Et je dis début de panne d'air car il me reste encore 20 barres dans la bouteille, vous emballez pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi il ne faut pas vider sa bouteille. Alors, est-ce que cette caméra est faite pour vous? Je ne sais pas. Et ça dépendra de vos priorités. Par contre, je peux vous dire qu'on s'amuse très très vite avec. Et toutes les personnes à qui je l'ai prêtée, très rapidement elles ont commencé à essayer des trucs. Donc si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez reproduire ce genre d'effet, alors vous avez sûrement votre réponse et il y a un lien dans la description pour ça. Allez, moi, je vous laisse et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Ciao. Merci Insta360.